On doit s'enfuir. Ça veut pas marcher. Scan. Encore un scan? Merci, BD1. Tu vois quelque chose ?
J'essaie encore. C'est difficile, maître. Oui, je sais. Cette voie n'est pas facile. Elle peut même te sembler impossible. Mais la persévérance et la force sont d'excellentes alliées. Elles t'aideront à surmonter tous les obstacles. Ta maîtrise sera totale. Maintenant, fais ton possible pour m'atteindre. Concentre-toi. Bien, Padawan. Bien, encore. Plus vite, plus d'intensité. Allez, rejoins-moi ici. J'ai réussi. La persévérance et la force sont mes alliés. Je me rappelle juste de quelques trucs. Tu peux me remontrer ce raccourci ? C'était une zone de méditation. Pour quelqu'un connaissant l'Ordre Jedi. Reviens là. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? J'ai besoin d'un steam. Je vais bien.
pirater ça? Navré pour ton connecteur. Mais faire face à ce Tograt, fallait oser. Qu'est-ce que c'est, BD1? J'ai besoin d'un Steam. Cette créature a l'air dans son élément. Protecteur de Bogano? Je croyais que c'était toi. On fait la course? C'est parti! C'est pas encore fini. Ok, d'accord. T'aurais probablement gagné. Probablement. Qu'est-ce que c'est? BD1? Je m'assurais que t'étais encore là. Impressionnant. Ok, je vais voir ça. Est-ce que ça va, BD? Bien joué. Que tu sois. Tu as brillamment passé mon épreuve. Tu es digne d'accéder au sanctuaire et à cet enregistrement qui est l'un des nombreux fichiers cryptés qui se trouvent dans ce droïde. Je suis Maître Eno Cordova. Ton nom m'est peut-être inconnu, mais je connais bien ton objectif. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'Ordre Jedi. Ce temple, ce sanctuaire est un endroit sacré. Bâti par une ancienne civilisation qu'on appelait les Efo. En méditant en ce lieu, j'ai eu comme une prémonition de la Force, une vision de mort. J'ai dissimulé un holocron Jedi au sein de ce sanctuaire. Les noms de tous les enfants de la galaxie sensibles à la Force et leurs emplacements se trouvent dans cet holocron. La chambre intérieure du sanctuaire est juste devant toi, mais une autre épreuve t'attend. Je ne peux confier cet holocron qu'à une personne qui a su suivre mes pas et qui me comprend. Il te faudra trouver les tombeaux cachés des trois sages
et apprendre à percevoir les mystères de la Force comme l'ont fait les Zephos autrefois. Dans ce droïde, tu trouveras ce dont tu as besoin afin que ta quête soit couronnée de succès. Va sur la planète des Zephos, et là, tu y trouveras la paix au cœur de la tempête. Bonne chance, Jedi. Et que la Force soit avec toi. J'imagine que tu es celui que je devais retrouver. Aussi. Tu sais, ça fait longtemps que je suis tout seul. Je me cachais, sans but précis, isolé. C'est pas une vie, tu sais. Pas pour un Jedi. Ou un droïde. Peut-être que Céré avait raison. Il ne faut plus se cacher. Hé hey, tu aimerais que je te présente quelques-uns de mes amis ? J'ai trouvé ce que vous vouliez que je voie. J'ai l'impression, en effet. Nous t'attendons. La porte est coincée. Encore un scan ? Il semble que les Zephos portaient de l'intérêt à Datomir.
est étrange. Que cette civilisation aussi pacifique soit fascinée par un endroit si sombre. Ça devrait aller plus vite qu'elle allait. Salut toi. Alors, on se fait des amis ? Bogling a été tué. Peut-être en défendant sa famille. Encore un ?
Ça y est, tu as réussi. Vous étiez au courant pour BD1 ? Monte à bord, et on va en parler. Oh, BD1, ça c'est Grise. Salut Grise ! C'est quoi ça ? Vire-toi mon canapé ! Ouch ! Descends de là ! Allez, fiche le camp ! Allez ! Ça, c'est BD1. Il est avec nous. J'en ai rien à faire. Est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poil de potoli ? Non, pas vraiment. Oh, j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde. Oh, du calme, Grise. C'est le cas. Vas-y, Cal. Le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation, les Efaux. Un Jedi nommé Enno Cordova y a dissimulé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a caché ? C'est un holocron des archives. Contenant une liste d'enfants sensibles à la Force. La prochaine génération de Jedi, je le savais. Ah, Cordova, vieux brigand. Vous le connaissez ? Oui. Il y a bien longtemps, j'étais son apprenti. Cordova était solitaire. Ce petit droïde et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano. Oh là, attendez, attendez. Un holocron ? Un holocron. Ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder. Attends, je crois que j'en ai un quelque part. Utilise la Force. Ici Maître Obi-Wan Kenobi. J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi. Avec les enfants de cette liste, nous pourrions reconstruire l'Ordre Jedi et renverser l'Empire. Ok, pas de problème. Allons-y! Oui, mais l'holocron se trouve caché au cœur du sanctuaire et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir. Je crois qu'il a évoqué la planète d'Atomir et le monde natal de ses Efaux. Ok, très bien. Alors où on va ? Je demande ça parce que je pensais me mettre au fourneau. Écoutez, avant que nous agissions, j'ai besoin de savoir. Pourquoi avoir quitté les Jedi ? À cause d'une expérience qui a changé mon point de vue. J'ai dû rompre mes liens avec la Force. Mais vous voulez reconstruire l'Ordre ? Je crois que reconstruire l'Ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire. Et toi, qu'en penses-tu ? Je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire, donc il ne me reste pas beaucoup d'options. Cal, tant que tu vivras, tu auras toujours le choix. Tu es partant ? D'accord. D'Atomir ou Zepho, c'est toi qui décides. Hé, hey, Grise, c'est quoi ce truc ? Quoi ? T'avais jamais vu un terrarium avant ? Si, mais on n'est pas censé y mettre des plantes. Eh, hey, dis donc, j'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie. Tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines. Tu détestes pas la nature ? Je la déteste à l'extérieur. Mais derrière une plaque de verre d'Ombara bien épaisse, il n'y a rien de plus beau. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver.
Serré, vous sentez encore la force ? Oui. Mais au lieu de m'ouvrir à elle, je la refoule. C'est tout l'opposé de ce que tu dois faire. Là-bas, j'ai eu un souvenir qui datait d'avant la purge. Ça m'a fait mal, mais j'ai retrouvé une partie de moi. C'est bien. Tu apprends à renouer avec la force. Comment vous le savez ? Parce que je sais ce que c'est que de vivre sans elle. D'accord. Je vais continuer. On se voit plus tard. Tu choisis notre destination ? Suis ton instinct. Cette aventure a sérieusement amoché le Mantis. Parce qu'il était comme neuf, peut-être ? C'était une vraie merveille, mais maintenant... Oh, faudra pas t'étonner de recevoir une facture. Quelqu'un a des problèmes d'argent ? Je veux dire, ouais, ok, j'avoue qu'il y a un peu de ça. Mais j'ai l'habitude. Et toi, t'étais riche avant ? La fortune n'est pas la priorité des Jedi. Ouais, j'étais pauvre aussi, mais c'était pas si terrible. Avec mon ancien équipage, on arrivait à s'en sortir. C'est là que j'ai appris à jouer au sabacc. Un jeu qui demande des crédits. C'est un drôle de choix. Ah, on était jeunes. On misait des trucs stupides, de la nourriture ou des cailloux rigolos. Malheureusement, ça a mal tourné quand on a vieilli. Les cailloux rigolos, c'était plus vraiment suffisant. C'est dommage. La galaxie s'en porterait mieux. Viens par ici, petit gars. On va pas tarder à se poser. Il y a une sacrée tempête. Pas le meilleur moment pour atterrir. Oui, il y a quelque chose d'étrange. J'ai des interférences radio causées par le vent. Hey, Cordova avait dit un truc sur la paix au cœur de la tempête. Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça. Alors il faut qu'on y aille. Bien sûr. C'est passé quelques secousses qui vont te tuer, petit gars. Sauf si le vent s'y met. Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour lui. Je suis sûr que la situation est sous contrôle. Bien sûr qu'elle est sous contrôle. C'est juste un peu délicat. Ok, allez, tout doux, tout doux. Parfaite maîtrise. Et sans aucun effort. Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses. Il me faut un moment pour la remettre en état de marche. Je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps. Bien. Je te contacte, une fois que c'est réglé. Cal, par ici. Tu as fait du bon travail sur Bogano. Plus on aura d'informations sur Cordova et les Efaux, plus on aura de chances de contrer l'Empire. Je ne sais pas grand-chose de ces cultures antiques. Je sais seulement que Cordova a été fasciné par les Efaux et par la puissance de leur enseignement. Moi aussi, j'étais intrigué par les mystères de notre galaxie. Tu devrais y aller. Il y a beaucoup à apprendre ici. Bonne chance. Vous avez connu beaucoup d'épreuves. C'est pas facile. Non, en effet. Mais je pense à ceux qui m'ont accordé leur confiance. Si je baisse les bras, cela revient à les trahir. Je suis sûr que tu me comprends. Prof, un ami sur Braca. Il s'est sacrifié pour que je survive. Il croyait en toi. Beaucoup de gens comptent sur toi, qu'ils en soient conscients ou non. Cal, tu dois tenir bon. Pour Prof. Pour tous les autres. BD1 est un super droïde. On dirait bien qu'il s'est attaché à toi. Cordova devait vraiment aimer les droïdes, pour confier des informations aussi importantes à BD1. Je suppose qu'il a choisi BD1 parce qu'il avait besoin d'un outil pour stocker des informations codées. Ces droïdes d'exploration sont performants pour ce genre de choses.
Mais celui-là m'a l'air d'être plus que ça. Un instant, je tente de rassembler mes pensées. Beau travail. On a réussi. On l'a fait. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu regardes? Mais à qui tu parles? Ah, au vaisseau. Le Mantis. Joli nom, hein? Ça impose. Je te dis ça, mais t'as sans doute jamais piloté de vaisseau. Je t'apprendrai peut-être un jour, quand t'auras fini tes trucs de Jedi. Je pourrais même te faire un prix, si tu veux. Bel atterrissage. Hein? Ah oh ouais, c'est pas grand-chose. C'est plutôt facile pour un pilote de ma trempe. Surtout avec un super vaisseau comme celui-là, hein. Et cette beauté m'a presque rien coûté. Enfin si, je l'ai payé. Et si on veut, j'ai fait un petit crédit, pour être honnête. Un crédit de rien du tout. Un très gros crédit, en fait. Non, c'est bon, t'inquiète pas, non, tout va bien. T'as pas des trucs de Jedi à faire, là? Mets-toi au boulot, petit gars. T'es resté seul longtemps avec Serré? Ah ouais, on fait la paire. Et toi? Combien de temps t'as passé seul sur Braca? J'étais pas seul, il y avait... des gens. Des amis? C'est dur d'avoir des amis quand on a des secrets. Non, t'as rien raté. Tu sais, les amis, c'est surfait. Il a dit quoi exactement? Il a dit qu'on était tous ses amis. Ah, bah c'est plutôt sympa. Parfois, tu me fous les jetons, petit gars. T'as trouvé quelque chose, BD1? Y a rien à faire. Qu'est-ce que c'est? Impossible de passer. Fais attention, BD. Ils ont l'air dangereux. Un scan? Cal, tu m'entends? Les Impériaux, ils ont trouvé Zepho. Ils avaient suivi le Mantis. Ils nous auraient déjà submergés. Ils sont à la recherche des tombeaux?
J'espère bien que non. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même astuce pour pirater la leur. Je peux pas l'ouvrir. La mère s'est servie de ça pour tenir son enfant au chaud. Il fuyait quelque chose. Une boîte de Steam. Ouais, ici. Attends, tu peux en prendre plus ? Merci, BD1. Qu'on a trouvé ?
Faites attention. Les bateaux sociaux et les bateaux sociaux. Mais moi, c'est... Encore un? Bien joué. Pars avec elle. Je vais les éloigner. Osta, non! Je te vois. Tu vas avoir affaire à moi maintenant, Jedi. Ce ne sont que des mensonges. L'Empire voulait seulement ses terres. Jedi ! La pression est trop forte ! Un ennemi en dessous ! C'était notre dernier tireur. En avant. Ok. Chose d'utile? Attendez la confirmation. J'ai touché la cible. À l'attaque, vite. Oh, attention. Comment t'as fait pour tous les tuer?
est-ce que vous nous emmenez? Les impériaux ont capturé les villageois. Des réfugiés effrayés, envoyés dans des camps de travail. Ou pire encore. Thank you.